Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Humankind. Alors on s'était laissé au milieu d'un bug et tout va bien. Comment vas-tu, toi, le signe? Bah écoute, très bien, pour l'instant pas de bug particulier, à moins que mes doctrines soient un bug, mais ça, je ne le saurai jamais. Et du coup, moi j'allais choisir mon air. Enfin ma culture, pardon. Et j'ai décidé de prendre Moria. J'ai hésité, franchement, il y a quand même encore les Romains, les Moria et les Axomites de disponibles. Mais vu que j'ai commencé dans l'influence, j'ai bien envie de continuer dans cette veine-là. En plus, ils ont un petit peu de foi et ils ont une unité militaire quand même très correcte pour aller me fighter avec les Babyloniens, là, l'éléphant lance-flèche. Là. Du coup, je pense qu'on va partir là-dessus. C'est parti. Hop là. En avant. Et du coup, on va pouvoir aller chercher des technologies, ça y est. Non, pas encore, au tour d'après. Au tour d'après. Bien, moi je viens d'acheter une ville. Donc c'est sympa parce qu'ils ont plein de chars dans cette ville. Donc, d'acheter une ville, qu'est-ce à dire ? Uricana, une ville voisine, je viens de l'acheter. Ah oui, une IA, tu veux dire, pardon. Ouais. Pourquoi t'as une petite pop-up, toi ? Aucune raison que t'aies une pop-up. Ah si, parce que j'ai attaqué une de tes unités, ça t'es pas content. T'es pas content. T'as qu'à pas la balader par chez moi. J'avoue. C'est exagéré. Ouais, c'est franchement pas cool. Bon, et du coup, on a plus de. On va avoir besoin quand même de coloniser ça et ça. Et dans la foulée, on va pouvoir commencer à attacher, puisque on va gagner de l'influence normalement encore plus. Plus. Alors, tu gagnes vraiment 109 d'influence par tour d'ailleurs, toi ? 117 maintenant. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Finalement. Sûrement, je reviendrai plus tard pour piller. Bah 117 parce que je suis en dépassement de ville. Ouais, moi tu vois, je suis à 32 là. Bon, je suis en dépassement de ville aussi, mais on est quand même loin des 117. Hein. Ouais, je crois que c'est très clair, on peut dire que je gagne plus que toi. Complètement. Mais je te rappelle que la plupart de l'influence vient de... Ouh, qu'est-ce qu'il me fait lui ? Non mais attends, là, il m'agresse vraiment là. Non mais ça c'est une agression ça, gars. Hop là. Et du coup on va pouvoir lancer Esthète direct. Et tu m'as encore arnaqué. Les bâtiments spéciaux qui étaient dans la file d'attente, ils disparaissent. Non. Ah bah si, là ils ont disparu là. Pas dans mes parties. Et bah là ils ont disparu. J'en avais un en attente de construction dans une ville, elle a disparu. Par contre, les unités spéciales, elles, n'ont pas disparu. Il a pas été construit ? Construit gratos comme ça? Ça m'étonnerait. Ah regarde! Moi, c'est sûr que non! Je l'ai fait à de multiples reprises. Non, je voulais le faire là, à côté de deux montagnes, et il a pas été construit. Tu veux qu'on charge? On n'est pas synchro! Ah putain, on a perdu la synchro, ouais, j'avoue. Ah bah oui, je me suis fait jeter. Bon bah, re-go! Est-ce que tu veux qu'on recharge ? Non, de toute façon, faut que je la prenne la culture parce que le Babylonien, ça y est, a atteint ses étoiles. Donc, c'est pas comme si j'avais le choix. Mais... Alors, moi, je t'assure, dans toutes mes parties, ils sont toujours tous restés. J'ai des trucs que j'ai construits 3 heures plus tard. Parce qu'en plus, je peux les bouger dans ma file d'attente, etc. Bah, ouais, c'est ça, tu peux les bouger, ouais. Bah, je sais pas, c'est bizarre. T'avais oublié de le mettre dedans. Ah non, il y était, j'avais vérifié déjà. Ouais, mais t'avais vérifié, on était peut-être pas synchro quand tu l'as fait. Non, j'avais vérifié quand j'ai atteint les étoiles déjà, ça fait longtemps. Par contre, du coup, j'ai une autre cinématique là. Ouais, tu viens de passer ta culture. Ouais, mais j'en ai eu une tout à l'heure. Ah oui, mais on devait être désynchro, donc j'ai pas eu la grosse cinématique. J'ai juste eu la petite avec les bâtiments qui se transforment là. Du coup, là. Non, ça a disparu de la file d'attente.
C'est pas grave, hein. On parle de perdre 10 de science, hein. C'est pas non plus fondamental, quoi. C'est quoi ça? T'es qui, toi? Ah putain, il y a déjà des mecs qui se sont posés, là. J'arrête pas de lui mettre des baffes à l'autre, en fait. Il est en train de perdre sa guerre à toute vitesse. Mais sans que je conquière rien du tout. On verra bien ce que ça donne à la fin. Alors, t'es où? Ah d'accord, t'es monté là. Putain, il a réussi, il est monté le petit sagouin. Ah oui, non, tu peux pas. Enfin, après, on reste une zanche et lui un éclaireur. Hein. C'est pas non plus la teuf. Ah, là, on serait sur une rivière si je fais ça. Mais là, non. Ça, c'est bon. Ça. No mercy! Bim! Donc, pourquoi je veux m'en débarrasser de lui, hein? Parce que j'ai pas envie qu'il me prenne ce territoire. Tout simplement. Bon, bah écoute, moi, ma guerre se passe bien et je pense que la prochaine se passera encore mieux. Alors, il nous faut 135 d'influence. Donc toi, je viens par ici. Je t'envoie un prêt d'influence. Si seulement. Non mais après, je vais pouvoir commencer à faire les nouveaux quartiers, là. Bien. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il me dit que j'ai dépassé mes pairs en influence. Ça me fait plaisir, mais je suis toujours 7ème, hein, quand même, hein, donc faut se calmer. Toi, t'es quelle couleur, déjà? Je suis violet, moi. T'es le premier, t'es deuxième, c'est ça? Oui, je suis deuxième. T'es à 1600? Eh oui. En flûre. Ah bah, c'est pas tout de rusher, hein. Bah, je rush pas, je suis au même niveau que toi. Je te taquine. Non, mais j'ai attendu un peu là pour passer l'air, tu vois, et c'est quand même assez rentable. Hein. Mmh. On perdrait un industrie si je fais ça. Bah ouais, carrément. Ouais. Toc. Ici, on va bientôt s'en occuper. Alors là, je peux aussi en construire un là normalement. On va faire une blinde d'influence, moi je vous dis. On va terminer notre palissade et on va se faire plaisir avec l'influence. Ici, il faut qu'on fasse ça en priorité. Donc ça va être bientôt. Il faut que je choisisse une technologie. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme technologie? Bah, plus 100 au maximum de ville, hein. Je pense que ça s'impose. Moi je fais la roue. Hein, la roue? Ouais. Ah ouais, t'avais pas encore la roue? Non, et c'est ce qui me permet d'accéder à mon unité spéciale d'ailleurs. Bah ouais, c'est souvent le cas, ouais. Bah moi j'avais plus rien dans... Putain, j'arrive encore à attraper, pardon, la fenêtre d'OBS à côté. J'avais plus aucune recherche à faire dans l'ère 1, moi. Bah dis donc. Il m'en reste 1, 2, 3, 4. Il m'en reste la moitié à faire. J'en ai fait 7. Il m'en reste 5. Bon, mais j'ai déjà fait l'armée professionnelle. J'ai accès aux fers. Et j'ai mes immortels. Et ça, c'est beau. Est-ce que j'ai des points d'interrogation qui se sont transformés en autre chose? Non. Pour l'instant, non. Alors, on a esthète. On va claquer 80. Pour convertir cette zone et bim et générer de l'influence. Voilà. Et on a toujours zéro politique, c'est un truc de fou quoi. T'as pas besoin de politique. Ouais, je veux bien, mais. T'as pas assez d'influence pour ça? Non, j'en ai débloqué zéro. Je peux même pas les afficher. J'en ai aucune. Oui, mais même, de toute façon ça te servira à rien. T'as fini ton tour? Je bouge une dernière unité. Et j'arrive. Ça, voilà, c'est parti.
Ah non, le salopard! T'es pas encore mort, toi. Tu t'étais donc bien replié. Le cochon et le recochon. Ok, donc ici. On se replie par là-bas. Toi, tu vas te poser là. On va surveiller cette frontière pour qu'il n'y ait aucun orange qui ait envie de se pointer. D'ailleurs, j'y pense, mais est-ce que c'est... Ah merde. Une priorité, ce truc-là. Faire des quartiers scientifiques, faire des écoles. Ouais, ici, quand même. Hein. L'hydrologie. Moulin à eau. De la stab, on s'en fout. La nourriture sur rivière, encore. On va le faire, ça aussi. Ouais, du coup, on va même le mettre en premier. Ici on perd un petit peu de nourriture, mais c'est pas dramatique. Eh ben on appréciera son courage quand même. Au jaune. Bah ouais, voilà, il se met dans la rivière en bas et il attaque. C'est chaud quand même. Ah oui, il est confiant quoi. Je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça de la confiance. Ouais, mais toi t'es un mec, t'appellerais ça comment, de la bêtise, c'est ça? Je suis sûr. Il a pas grand chose à y gagner dans cette histoire. Hein. Oh, un moins 100. J'adore faire un moins 100. Sur des archers dans une rivière. Un moins 100, tu veux dire, tu l'as one shot? C'est un peu ça. Il est vraiment monstrueux ton bonus, quoi. C'est abusé. Non, mais en plus, j'attaquais à deux troupes contre une, donc... C'est abusé. Par contre, je me suis fait U de chez U. 5 tours, c'est trop long. J'ai pas une troupe qui arrive de là? Bah si, voilà, tiens. Ouais, il va falloir amener plus d'influence, les gars, hein, parce que c'est la dèche, hein. Va falloir être un petit peu plus efficace. Voilà, on y est. Alors si tu me cherches, t'as qu'à bouger horizontalement parce que je vais de haut en bas de la carte. D'accord. Donc je te confirme que tu me trouveras. Ok, on va commencer à faire quelques quartiers des artisans, ça c'est très bien. Ici on va faire de la nourriture. C'est pas ouf. C'est franchement pas ouf. Ah, allez, ici deux tours. Alors là du coup... On est à 35 par tour, donc si je crame. Si je crame pour faire ici, c'est franchement pas intéressant. C'est un truc de fou, ouais. Ça. Ouais. Qui c'est qui fait chier là? C'est vous. Les éclaireurs, tu sais si on peut les faire évoluer un jour en quelque chose? Ouais, bien sûr. En guerrier? Tu es pas capable de les faire guerrier? Évolue en guerrier? Ah non. Ah non, ils ont pas de petite flèche d'évolution, moi. Carrément pas. Et tu n'as pas de guerrier? J'ai un guerrier, mais ça me dit impossible, aucune amélioration n'est possible. Putain, ma touche contrôle qui déconne encore, là. Je ne sais quoi te dire, je suis un peu choqué. Bah écoute, voilà, éclaireur. Amélioration, aucune amélioration n'est disponible. T'es pas dans ton... Je suis dans un de mes territoires. Ouais, je suis dans un de mes territoires. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, alors je continue à demander réparation, maintenant ça sera...
6300 qu'il va falloir qu'il paye l'Assyrien. Ça va lui coûter cher. 6300. Ouais. Ça pique. Bah, il continue à passer dans mon territoire et à m'agresser. Voire même à me supprimer des unités. Mais c'est abusé, il faut 6517 d'influence pour que je débloque ma première étoile d'esthète, quoi. Ouais. C'est énorme. C'est quoi ce 517 à la con? Bah. Bon bah, on va s'y atteler. Et estime-toi heureux, hein, moi c'est 7034. Sur quoi c'est indexé? Je devrais pas te dire. Je sais pas. Je sais que tu sais pas, ça me paraît. Ça fait partie des mécaniques qui sont un peu frustrantes pour le coup. Ouais. ...96 de science grâce à l'osmose, on va pas cracher dessus. Donc là, prochain tour, on rase cette ville et on redescend à 2 sur 2. Mais il se fout de moi lui ? Je pense que non, mais je m'avancerai pas. Attends, j'ai agressé un mec qui est parti en retraite. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 cases. Il a fait 12 cases. 12 cases. Bah il est parti en retraite jusqu'à ma capitale en fait, il a reculé. Ouais. J'avoue que là par what the fuck je sais pas quoi te dire. Désolé. Mais je crois que c'était là que j'en construisais un quartier de science là. Là c'était rentable en plus là. Ah tant pis. Ici, on va empêcher le neutre là de se créer parce que j'ai pas envie qu'il se fasse. C'est chez moi. L'autre il est en train de me dire que j'ai aucune condition de guerre et qu'à la fin de la guerre, tout ce que je vais gagner c'est 1000. Bah ouais, mais t'as un fumé, t'attaques alors que t'as pas de raison d'attaquer aussi. Quand même pas de c'est sa lui faute. Qui m'a attaqué. Ça par contre, c'est un peu triste, je te le cache pas. Bien, faisons la paix. Ah non, je peux prendre des territoires. Il fallait attendre qu'ils soient à zéro. Ouh, il y a 61 de force, il y a quoi là-dedans? Deux chariotes et un archer. Oui, effectivement. C'est un peu énervé, on va pas dire le contraire. Ok, toi, tu te barres par ici. Et vous, vous allez me raser ça. Fin de la guerre, j'ai pris deux territoires. Le babylonien, il a choisi un truc. Toujours pas. Hein. Et je lui ai demandé de se pousser de chez moi. Là, je suis super déçu parce que j'étais super bien parti en religion et t'as quand même t'as pris de l'avance là. J'ai été retardé à un moment. T'as pu prendre, réclamer la dîme aux riches. Je t'ai vu. Il te suffit de te convertir chez moi, à ma religion et tout sera bien. Je crois que je puisse le faire. Tiens, je l'ai l'épreuve de force aussi là. Les plus 7 là? Ouais. Mais... Bah, quand ça tombe au bon moment, genre au moment où tu viens de te faire déclarer une guerre, je crache pas dessus moi. Bah ouais, mais du coup je vais pas le prendre, je vais prendre autre chose, tant pis. Il était déjà bien conti sa ville hein. Attends. Bon, franchement non, c'était de la merde. J'ai pris la science. Ah mais attends, il a pris le territoire lui. Toi tu vas faire demi-tour en fait, tu vas patrouiller dans cette zone. Vérifie qu'il n'y a personne qui se pose. Alors je viens de refuser toutes ces exigences au noir. Très bien, je demande dans quelle direction le vent va souffler. Il a renoncé à ses exigences. Eh ben je déclare la guerre. Vous avez vu comme il est agressif, moi je joue tranquille, à l'influence, pépère, et lui il bute tout le monde. Franchement quoi. Bah en même temps, hein. Why not? Non mais en plus je pense que militairement, je domine le continent là pour l'instant. Rien qu'avec les unités que j'ai récupérées
Parce que avec mes Markaba, qui sont des archers mobiles régénérant à 34 de force, je domine aussi mon continent. Ouais, bah, le 34 de force, quoi. Mais il est pas naturel, ce 34 de force. Mais si. Non. Mais si. Mais non. Tout est naturel chez moi. Quand je te tomberai dessus, t'inquiète, tu l'auras pu. Ah bon, qu'on se croise, mon pauvre enfant. Alors, il me faut des sous, beaucoup de sous. Allez, on va lancer la construction de ça. Suffisamment de... d'influence pour en faire au moins un. Là, et Teb aussi. Tout le monde doit faire des sous. Ici, il va falloir se bouger un peu le cul, les conversions. Hein. Ah! Sans assez de poids. Je me suis fait jeter. Moi, on me dit que ma connexion internet a été perdue. Et moi, j'ai perdu la connexion avec l'hôte. Ce qui est probablement pas le cas, quand même, hein. Je tiens à le dire. Non, ouais, ça paraît assez improbable, je suis d'accord. Allez, je mets en pause l'enregistrement. Ouais. Voilà. Bon, alors apparemment, c'est avant ma victoire, je dois refaire ma paix. Ouais, effectivement, j'avais un pillage qui vient de réussir, mais c'est un pillage que j'ai fait il y a longtemps. Voilà, maintenant je vais lui demander de partir de chez moi. Du coup, on en était où ici? Je vais aller dans le nord. Sortir lui. Toi, tu vas aller par là. Toi, tu vas aller piller ça. Prochain tour, on reconstruit. Je vais basculer toutes mes villes en économie. Ça, alors, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est pas content, lui? 86 de soutien de guerre. Et alors? T'as une baffe? Économie. Déclare-moi la guerre si tu veux, mais tu vas manger. On prend épreuve de l'esprit. On n'a pas besoin d'un lamentable bonus de plus 7 pour gagner de toute façon. Claire, je me suis même pas servi du mien. Non, mais j'en doute pas. Ensuite, je vais aller là. Ce serait propre une petite garnison là quand même. Pourtant, j'étais persuadé d'avoir passé le tour. Hop là. Ouais, c'est pas ouf ça. Franchement, c'est pas ouf. D'industrie au milieu des montagnes, forcément. Bon, on est pas mal. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah non, c'est la ville qui fait rien. Ouais, on va faire un truc de merde, on s'en fout. Ah, il te reste du mouvement, va par là. Et toi, tu attends un peu pour te soigner. Voilà. Excuse-moi. Je retrouvais tous les trucs que j'avais fait à droite à gauche. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? 2-12, 2-12, 4-9, 4-14. Ah, 4-9 ça reste mieux que. 4-14 ça reste mieux que 4-9, c'est pas non plus dingue quoi. Pourquoi il veut pas là? Ah parce que j'ai 32. Ah bon, on va chercher 4-14. Pourquoi il vient me chercher des noises? De toute façon, on va l'attacher direct, on va pas se poser de questions. Il m'attaque avec une cavalerie? Ces maraudeurs assyriens m'attaquent? Tu sais ce que c'est, ça? Les maraudeurs assyriens, c'est l'unité toute de base, non? Ouais, les maraudeurs assyriens, là, c'est son unité d'élite, c'est bien mignon, tout ça. Mais en face, moi, j'ai des immortels, et ben, c'est des lanciers. Oui. C'est très con. Fais-moi son malin. Tout ça parce que j'étais chez lui, dans son territoire à lui. Alors, on va pouvoir commencer à attacher. Donc on attachera ça ici. Donc je demande un territoire, je lui demande de me payer des milliards. Je lui demande de renoncer à ses exigences. Il accepte de renoncer à ses exigences et je déclare la guerre.
Quel fumier. Bah, il a renoncé à ses exigences. Bah, ouais, il a pas compris que c'était du bluff, quoi, je vois bien. Mais... Et immédiatement, dès que la guerre a été déclarée, on me propose un bonus de rapidité. Je le prends. Oh là là, mais c'est abusé ta partie. Non, c'est normal. Alors, si vous êtes sur la vue du signe et que vous voulez savoir si tout ce que je dis est vrai, venez voir. Est-ce que vous pensez qu'il est à cet emplacement où il y a des serpents là? Moi je pense que ça me paraît pertinent. Tiens, au fait, j'ai même pas essayé de les draguer eux. Je peux les draguer à distance? Complètement. Il me rattaque. Pourquoi il me rattaque? Oh, il a 57 pour l'assimiler le truc quoi. Qu'il a l'autre bout du continent quoi, c'est abusé. C'est vrai? Ouais. Il est derrière les Babyloniens, derrière les Hittites, hyper loin, et ça me coûterait 57 de l'assimiler, quoi. C'est honteux. Et moi, je me demande pourquoi il continue à m'attaquer à chaque fois avec une seule troupe. Et moi, surtout, je comprends rien, parce qu'il y en a un qui est juste en dessous, et celui-là coûterait 293. Est-ce que c'est une question? Non, ils ont 3 pop dans leur ville pareille. Celui qui est le moins cher a plus de quartiers. Je vois pas du tout comment c'est calculé quoi. Je suis d'accord avec toi, ça manque un peu de chiffres. Même si je suis un peu, enfin, je n'en suis pas à ton niveau de chercher à chaque fois les pourcentages et tout. Il y a un minimum et là, j'avoue que je suis un peu paumé quoi. Il y a des trucs qui correspondent pas à grand chose, on va dire. Alors, ici on va faire un petit peu de nourriture, c'est parfait. Il y a un babylonien qui se balade là, ouais, bon, il fera pas grand chose. Ici. Toi, tu vas te replier par là. On a des techs militaires pour améliorer. Ouais, on peut les améliorer en épéiste, nos mecs. On verra si les éclaireurs, on peut les améliorer en épéiste. C'est louche ton histoire. Bah tu sais, j'ai peut-être un bug quelconque, hein. J'ai pas de politique, je peux pas améliorer mes éclaireurs, il y a peut-être un truc à la con qui est resté coincé. Hein. Je ne sais pas. Même. Zéro politique, arrivé à la troisième ère, c'est quand même douteux quoi. Enfin, à la deuxième ère. J'ai eu des parties où j'avais très peu de politique. Ah merde, il y a eu sur le chemin. Faire le tour. Alors j'ai rasé le campement des unités neutres et elle continue de se balader sur la map par contre. C'est particulier. Elles ont pas bien compris. Ouais. Faut que tu sois plus clair. Bah étant donné que leur truc d'unité qui reste c'est deux chariots et un archer qui a 61 de force, pour l'instant, je suis pas non plus à la pièce quoi. Alors, toi, on va te virer. Ouais. On s'en fout. Ouais, d'accord, ok, j'étais pas sûr. Très bien. Allez, on gagne un petit peu d'influence pour fabriquer ça. Et on est parti. On va commencer à faire une mégalopole de chez Mégalopole. Je dirais que j'ai gagné ma guerre, je pense. Bah, je dirais pas être extrêmement surpris. Hein. En tout cas, il a plus de capitale et il a plus l'air d'avoir deux villes. Ah, je vois un petit bout de... Ce serait pas du rose, ça? On dirait bien du rose, hein. Ah, j'ai l'impression que t'es juste en dessous de moi. Bah non, c'est pas possible, t'as dit que tu traversais la map de haut. Moi, je vois du orange, hein. Ah bah oui, c'est ça. Donc ouais, t'es juste là. C'est quoi toi? Moi je suis violet. Je suis collé au orange, ouais. Juste à droite du orange. Donc d'accord, ça veut dire que bah tu traverses pas la map. Je viens de map. Prendre des terres à côté de toi. Si, je la traverse verticalement. Les inconnus ont gagné du renom en tant que voleur. Tu es devenu voleur.
Oui, ça c'est ce qu'ils disent, mais en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est du pipeau. Ouais. J'en doute pas. En tout cas, la ville que tu comptais prendre, c'est pas celle qui est juste à côté de ce que je viens de faire là. Non. C'est sur un autre continent là. On y a pas de moyen de traverser pour l'instant. Enfin, il y a des endroits où il y a un de distance, donc c'est possible, mais. Non, mais c'est pas ça. Mais tu comptais annexer une ville. Non, elle est tout au nord. T'en fais pas. D'accord. Ouais, tu peux la prendre, sinon ça nous fera une frontière. Moi, ça me dérange pas une frontière avec toi. Ah non, mais c'est pas une frontière avec toi. Tu rigoles. C'est complètement au nord de la map. Tu veux bien au sud. Non, je suis partout. Mais je non, vais du nord partout. Au sud. Bah, je te promets. Mais non. Ah bah, je te promets. J'ai des territoires qui sont jouxtés aux deux bords de la map. Mais tu vois peut-être pas combien j'ai de territoire. Moi je dis 5, que tu bluffes. 6, 7, 8, 9, oh, 10, 11, 12, faut, 13, 14, 15. J'ai 15 territoires en fait. Moi je dis que tu bluffes. Ouais, c'est pour ça. Bah du coup on va rattaquer le jaune. On va arrêter notre contrat avec lui. Alors, toi, tu vas camper là pour l'instant. Est-ce qu'on peut désactiver ce foutu sélection multiple là ? Ça me stresse. Voilà. Ça me dit que le noir, il existe encore. Ça serait surprenant. Ah non. Voilà. La chute des Assyriens. C'est le noir, hein, c'est le mec qui avait commencé à côté de moi, il est pas parti dans les meilleures dispositions quand même. Celui, hein. Celui qui a lutté jusqu'au bout. Ouais, clairement, ouais. Tu te replies pas, il se replie pas. Intéressant, il ne se replie pas. On va l'attendre, est-ce qu'il vient si on l'attend? Non, il recule. Intéressant. Bon, du guerriers. Coup, j'ai combien? J'ai 4 villes. Je pourrais peut-être rajouter celle-là. 900, donc je vais attendre un peu. Pour la rajouter. On va descendre à côté du jaune. Sa capitale ici, ça serait bien qu'on aille camper à côté. Combat dans la rivière. Alors, hop. Voilà, cette fois, je l'ai rasé. C'est peut-être temps de commencer à faire un peu de science, moi. Quoi, t'es en retard technologiquement? Clairement. Alors, ici on a un 8-14, c'est pas mal 8-14. En même temps, c'est pas la peine de m'envoyer un message, j'ai pas développé l'écriture. Hein. Ah oui, t'es en retard quoi. Qui dit? Et pourquoi il met tout sur des bouts de papier? Il pouvait pas envoyer un messager? Je ne comprends pas. Bah écoute, de toute façon, je t'envoie un message, on va arrêter cet épisode ici, si tu veux faire l'outro. Alors avec les 7000, attends, parce qu'avec les 7000 que le mec vient de me donner... Je viens de construire tous les bâtiments constructibles sur ma capitale. Bah, tu m'étonnes, Rex. La totalité des bâtiments vient d'être construite. D'un seul coup. Et moi, puis, je sais que tu voilà. Bluffes. Je bluffe Marconi. on va faire comme ça sera bien, ça sera propre. On va mettre un petit peu de gens dans la recherche. Allez, c'est terminé. Merci de m'avoir laissé quelques secondes. Pas de soucis, c'est toi qui fais l'outro de façon donc. C'est moi qui fais l'outro ? Eh ben au revoir tout le monde. Ciao ciao tout le monde. À plus.